chance de bien racine, la Guinée équatoriale nous a accueillis proprement. Parce que la communauté de culte traditionnelle en Guinée équatoriale, c'est toujours la même chose comme la communauté de culte traditionnelle auprès de nous. Donc nous sommes tous ensemble, on fait la tradition, la culture, on fait tout ensemble auprès de là-bas. Il n'y a pas la différence dans la culture. CNCBB a son bureau national auprès de la Guinée équatoriale. Il a son consul, secrétaire général, organisateur et tout aussi. Eux ici, ils ont leur association que nous sommes adhérés. On est ensemble, on travaille ensemble. Et chaque mois d'année, ils envoient toujours leur représentante ici qui s'appelle Madame Thérèse Mbangoua. Toujours les gens demandent à voir Sa Majesté. Ils viennent beaucoup aussi. Ça, c'est ma culture. C'est ce que main de nos ancêtres a laissé. Et c'est ce que nos grands-pères, nos aïeux ont laissé comme culture vaudou. C'est ce qui a fait que moi aussi, c'est ce qui me nourrit, je peux le dire. C'est ce qui fait que ma famille grandisse, c'est la tradition. Donc, j'ai pris importance à ça parce que mes membres de nos ancêtres nous a laissé ça pour bien tailler ça. Donc, aujourd'hui, si vous me voyez à côté de 13-13, et il prend ce certificat d'honneur de Boni, et je fais partie de son premier fils, le premier fils initié. C'est lui qui m'a initié. Il m'a initié, il m'a fait comprendre beaucoup de choses dans la tradition. Il ne m'a jamais abandonné. Aussi, moi, je ne peux jamais abandonner la tradition. Et elle m'a venu à la festival Pierre de Nero, et de Nîmes, comme la fiesta de Pierre de Nero, la fiesta nationale des cultes vaudous du Bénin, comme international. Oui, le président national m'a donné un certificat comme président de la communauté de vicino numéro 1 de mes districts. Y también me ha agradecido de darte ese certificado para poder trabajar y haber respeto en la comunidad nacional de Cristo Jesús, gracias y bienvenido a la Guinea Ecuatorial.